dans ses actes. À ceux qui auront fait ostension de leurs bonnes actions, il dira, allez chercher vos récompenses chez eux. Devant que vous faisiez parade de vos actes dans la vie terrestre, voyez s'il peut vous donner quelque chose. Rapporté par Amen. Adi Ben Atem, lisant ce verset, ils ont élevé au rang de divinité leur docteur, leur moine. Dit au prophète, station mission de Dieu sur lui, messager de Dieu, nous ne l'en vouons aucun culte. Le prophète, station mission de Dieu sur lui répondit, ne rend-il pas licite pour vous ce que Dieu a défendu? Ne viole-t-il pas ce qui est sacré et n'affectez-vous pas cette violation? Si, prophète de Dieu, Dieu les auditeurs, ainsi vous le vouez un culte, répondit-il. Rapporté par Timothy. Les compagnons du prophète, station mission de Dieu sur lui, furent harcelés par un mécréant hypocrite. Allons implorer contre lui le secours du prophète, dit-il. On demande secours qu'à Dieu, leur répondit-il. Rapporté par Tabalini. Quiconque jure par autre chose que Dieu commet une hérésie, dit le prophète, de même que celui qui porte les amulettes et pratique la magie et le sortilège. Rapporté par Timidi et Amen. Preuve logique. Dieu étant le seul qui crée, qui pourvoit, qui dispose et administre, ses qualités exigent qu'on ne voue de culte qu'à lui seul. Toutes les créatures lui étant tributaires et ayant besoin de lui, aucune d'elles ne mérite alors d'être adorée et divinisée. Tout ce qu'on invoque en dehors de lui pour être secouru et protégé sont incapables de répondre à l'appel. Il est alors inutile de s'adresser à eux pour être soulagé au secours. En définitive, il est vain de se fier à eux. Alhamdulillah, il remet à la main. Allah nous a aidés à terminer notre émission sur la foi musulmane. Et nous allons demander à notre frère Cheikh Tamara Ben Ali de nous clôturer notre émission avec le doigt. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous remercions Dieu, son prophète, ses compagnons. Nous aider à mieux pratiquer la religion, la lumière qui est l'islam. À ce fait, je ne pourrais que donner quelques gloires à tous mes frères. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا الرحمة والبارية واليقظة المتحات الخيرات كلها فقير والمعان ونور الأقوال المنتهى ورفع علم الشعب ربنا. آمين. على البركة أستعيذ من نور الأقوال المعاليات المنتهى
آمين ونورك الذي الذي ملأت به كوناك الحجر يمكن في مكان آمين اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتزرع من خلف الحق لكي نعرف لهو عن سيرتك تم الاسكان آمين اللهم صل وسلم على بارك الحق بالحق الكنز الاجسام وحداتك منك وحدات نور المستقسم صلى الله عليه وسلم عن طرف من ايه آمين Que Dieu nous donne la santé. Amen. Que Dieu nous donne la longévité. Amen. Que Dieu nous aide à accomplir sa volonté. Amen. Que Dieu nous aide à accomplir sa volonté et non notre volonté. Amen. Que Dieu nous aide à chasser l'égoïsme dans notre cœur. Amen. Que la bonté de Dieu règne. Amen. Dans toute sa créature. Amen. Que la grâce descende dans ce pays qui est le Gabon. Amen. Et sur toute la population gabonaise. Amen. Que la paix soit sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui que vous voyez là, c'est Cheikh Abdourahman Néré. Bien, c'est lui qui vous parle. Nous remercions Allahu, son messager, ainsi que ses compagnons, pour nous avoir permis de clôturer l'émission d'aujourd'hui sur la foi musulmane. Nous allons terminer par le doigt pour qu'Allah nous agrée. Bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim maliki yawm al-din. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المولك واتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أنسي سواتي على بوشن